Bien, bonjour à tous et bienvenue dans Full Set Mega Drive. Donc aujourd'hui, on va jouer à Boogerman. On va baisser un petit peu le son. Alors Boogerman est sorti en 95, si je me trompe, sur Mega Drive et sur Super Nintendo. Il est développé par Interplay. Alors Interplay, vous les connaissez certainement par Earthworm Jim ou Clay Fighter. Alors, ici, Star to Password. Donc, c'est un jeu de plateforme assez standard. Quand il est sorti, il a fait un peu scandale parce qu'un univers très, très trashos. Faut pas oublier que Boogerman, pour les gens qui sont pas anglophones, ça veut dire crotte de nez. Il a reçu des critiques plutôt bonnes à mitiger. Alors, je me rappelle quand c'est un jeu que j'attendais beaucoup quand il est sorti, mais un petit peu déçu, un petit peu déçu à la sortie. Peut-être que j'en attendais trop via les critiques. De mémoire, les previews étaient pas mauvaises, mais bon, j'avais pas aimé. Alors donc on peut sauter, on peut jeter des crottes de nez sur les ennemis, on peut leur rôter dessus et on peut charger son rô. De mémoire. Non, ouais, donc on peut leur péter dessus, mais je ne sais pas comment. Ah, peut-être. Non, on ne peut pas charger les crottes de dés. Alors, vous pouvez retrouver Boogerman dans d'autres jeux, notamment dans Clay Fighter. Dans tous les Clay Fighter, il me semble qu'il y ait. Donc, dans Clay Fighter 1, 2 et. C'est pas 64, c'est un autre nom qu'il a. Oui, bonjour. Hop, donc on va essayer de monter. Est-ce que ça fait quelque chose sur les... Non, ça fait rien. Alors il y avait un remake qui était un Boogerman Remastered qui était prévu, alors, il me semble, en 2013 via un crowdfunding. Ils ont pas eu les ils ont pas eu les sous, je crois qu'ils demandaient 230 000 dollars et ils ont eu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. Ils ont eu 230 et ils ont eu 200 000, je crois. Alors, comment on passe à ça? Je trouve qu'on retrouve quand même certains mécanismes d'Earthworm Jim. Ah, ça rote, ça pète. Je sais pas, ouais, donc il a fait scandale. Il a fait scandale parce que, bon, vous vous rendez compte, en 95, roter dans les jeux vidéo, c'était pas bien vu. On peut leur sauter dessus également. Donc, ouais, un petit peu déçu. Alors, c'est pas un jeu que j'ai eu à l'époque parce que c'était trop cher. Mais ouais, donc déçu par l'environnement. Alors, même si les animations du héros sont pas dégueu, sans mauvais jeu de mots. Ce fond noir est un peu tristouné, je trouve. Et donc, je me déplace par les narines. Ouais, c'est pas aussi beau que Quackshot, alors que le jeu a quand même, voilà, 4 ans de moins. Ça fait rien, ça? Ah oui, voilà, il faut se baisser pour péter. Et on lâche des flammes. Ah non, je lâche les flammes parce que je crois que j'ai la super cape. Et donc on se déplace par les chasses d'eau, je crois que c'est pour les bonus stages. Scarlett, ça. Voilà, l'animation du sprite est pas dégueulasse, hein, mine de rien. Bon, on reconnaît du coup le côté d'Interplay. Donc voilà Interplay qui malheureusement a fermé ses portes. Donc voilà, ils avaient annoncé que le remake était, malgré l'échec du crowdfunding, que le jeu était greenlighté. Je sais pas si ça se dit. Mais là, que le jeu était validé. Mais voilà, on a plus jamais eu de nouvelles, donc bon, ils ont dû annuler le jeu. Le jeu est mort peut-être là dedans. Ok, tu mords. Et mort en silence. Ok.
Alors, donc pour le scénario du jeu, donc je vous en ai pas parlé. Le scénario du jeu, donc on incarne Boogerman. Alors, c'est un balayeur dans un laboratoire. Lors d'un accident, donc il se transforme du coup en Boogerman. Pas dire de bêtises, c'est un peu approximatif au niveau du scénar, mais bon, on va pas trop en demander. Ah, vous avez pas le son du jeu. C'est parce qu'il est trop bas. Est-ce que c'est mieux là? Le son du jeu est vraiment très aléatoire entre les jeux. Autant sur Quackshot, c'était trop fort. Et là, c'est trop faible. Alors, le premier stage, quand même, est, mine de rien, assez long. Il n'y a pas de chrono. Voilà, bon, écoutez, c'est un peu pipi caca, quoi. Même beaucoup pipi caca. Non, tu veux pas aller dans les toilettes, toi? Allez, va, allez. Non, il veut. Ah, c'est une sortie uniquement, j'ai l'impression. Ok. Lightbox, elle est magique. Allez, là. Donc, il faut repasser par les égouts. Voilà, donc bon, je pense que c'était un choix peut-être un peu de. Je dirais pas que c'était un choix de facilité. Mais ouais, donc. Autant SR Gym était très. En quelque sorte un peu trashos. Un peu trashos, mais voilà, bon, les musiques étaient géniales. Là, on n'a pas réussi à retrouver le même raffinement, si on peut dire. Allez, les musiques sont à chier, on me dit sur le chat. Allez, on ressort. Et je ressors par là. Eh mince. J'ai l'impression qu'on finit premier stage. Est-ce qu'on va avoir un boss? Ah non, c'est un bonus. C'est la fin de premier stage. Ok. Ok, pour avoir une vie, il faut faire des échelles avec les débouches toilettes, les ventouses à toilettes. Allez, deuxième stage. Waouh, ça change! On reste dans la forêt pourrie. Oula. Ça me file des points. Alors je sais pas sur quoi je marche là. Mais ça me file des points, donc on va pas craindre. On va parler. Ok. Et tu vas crever toi? Ok, non, c'est moi. Oui, tu vas crever toi. Premier mort. Tup-tup. Tup-tup-tup-tup. Ah oui, le curseur, ça, désolé. Alors par contre, je suis très très content de ma manette là, de jouer avec mon petit croissant, la manette Mega Drive. Alors c'est pas une manette originale, c'est une manette Retro Beat. Et on s'y retrouve, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir une manette Mega Drive. J'en ai profité parce que mine de rien, des manettes 6 boutons. Je suis mort. Game over. Génial! Ouais, des manettes 6 boutons, j'en ai pas. Donc le password, donc c'est quoi? C'est le rouge. Le rouge, le Yeti, le truc taché et le mineur. À zéro, c'est quoi ce passeport de merde? Bon,
Alors ouais, la manette Saturne en fait, ça sera je pense un des prochains achats, mais je prendrai une manette Saturne officielle. Parce que j'ai pour objectif de modifier ma Saturne avec... alors soit avec le nouvel émulateur de... L'émulateur de lecteur CD, parce que j'ai une Saturne qui est HS. Soit avec un... Avec le... Alors, le Satiator, je crois, mais bon, j'attends qu'il... J'attends, on n'a pas de date de sortie pour ça. Ça serait pas mal. Ok, ça sert à rien. Et il faut avouer que les manettes Saturne sont un petit peu toutes nazes avec leur bitonio en plastique à la sortie qui est super fragile. On se refait le stage 1 pour rappel de Boogerman. Ouais c'est ça, donc c'est un lecteur SD. Alors l'avantage en fait du Satiator par rapport à entre guillemets l'émulateur de CD-ROM qui est sorti là, sort, le prix je sais pas ce qu'il on n'a pas de prix officiel, mais ça se branchera directement sur le port VCD à l'arrière et pas besoin d'ouvrir la console, ce qui est mine de rien pour moi qui n'ai pas forcément envie de dénaturer une console. Une option très très intéressante. Rad! Et c'est dommage qu'elles soient si fragiles les manettes Saturn parce que c'est des manettes qui sont enfin aujourd'hui même utilisées par certains joueurs au niveau des jeux de baston, enfin elles sont très bien quoi. Je te tiendrai au jus, Terry, pour la sortie de ça. Et surtout, je crois que ça émule également l'expansion RAM. Enfin, donc pour les jeux de baston, c'est parfait. Et je vois qu'on est arrivé donc au bout de ces 12 minutes pour Boogerman sur Mega Drive. Donc, c'était Full Set Mega Drive. On se retrouve pour le prochain jeu. Ah, non, pas assez. Dommage. On se retrouve pour le prochain jeu. Et d'ici là, bah, écoutez. À bientôt, puis amusez-vous bien. Bye bye.